Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human. Sans plus tarder, on part. Vous regarderez les épisodes précédents si vous voulez voir ce qui s'est passé. Let's go! Rebienvenue avec Kara. On était parti, on s'était échappé de la maison au psychopathe avec les androïdes, là, celui qui en faisait des monstres. Grâce à Luther à notre gauche qui conduit la voiture actuellement. Et on avait récupéré Alice aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire avec Luther? Voiture, destination, distance, neige. Déjà, on va parler de la destination. Ces gens que nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Ok, alors on va continuer de parler. Est-ce qu'on a d'autres trucs à faire par hasard dans la voiture? Allumé. Ah d'accord, opinion publique hostile, ouais. Ah ça c'est moi. Bon. Nous venons d'apprendre que l'USS Iowa, un sous-marin nucléaire d'attaque qui croisait dans la région. Oh, c'est le bordel partout, c'est le bordel partout. Il n'y a pas de bonnes nouvelles là. Les importantes chutes de neige. Ouais, même au niveau de la météo, c'est le bordel. On annonce moins 5 degrés, une température bien inférieure normale. Ok, allez, tu te tais, j'en ai marre des mauvaises nouvelles. Bon, qu'est-ce qu'on va dire, Marcus? Distance, neige, voiture. Bah, déjà, neige, parce que. Enfin, quoique, non, distance. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici une heure. Ah ouais, une heure. Ça c'est vachement bien. Oula! Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Inspecter le moteur de la voiture, ok. Bah c'est moi la garagiste? Bah ça va, je suis une androïde, normalement on va détecter le truc en 2 secondes. Alors attends. Ouais, y'a que ça, je sens la merde qui va nous tomber dessus dans pas longtemps, à part ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Ah! Continuer à pied, j'imagine. Quoi? 10 degrés, Alice n'y arrivera pas. Bah ouais, c'est clair. Vous pouviez pas réparer là. Oh là là, encore. Putain, mais avec Kara, c'est que trouver des endroits où passer la nuit. Trouver un abri. Encore? Bon bah déjà, je vais aller chercher Alice. Mais trouver un abri là-dedans, dans une ville, je suis d'accord. Mais là, déjà, il neige, il fait moins 10 et en plus, bah c'est la merde quoi. Tiens, il y a une flèche là-bas, on va aller vers la flèche. Vous êtes des androïdes, vous pouvez pas réparer un putain de moteur. Ça même les humains ils savent le faire hein. Bon après j'avoue faut avoir les outils aussi. Oh là là. Ah on aura le choix entre 3 abris encore une fois. Alors pirate, cone. Ok donc c'est un parc. Par là-bas. On doit trouver un abri. Inspecter les bâtiments abandonnés. Oh là 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 là, je le sens mal ça. Ouais. Et on sait tous ce que ça veut dire un parc d'attractions abandonné. Hein. On sait tous que c'est la merde, qu'il y a des choses cheloues qui se passent dedans. Alors attention à ce que vous faites. Déjà, je vais faire un coup de R2 là.
Ok, donc on a deux choses à voir pour l'instant. Tu vois quelque chose? Structure endommagée, dangereuse. Je vais pas vous passer la nuit. Ok. Bah, j'imagine que l'autre, ça sera pareil, hein. Trop de vent pour Alice. Ok. Bah, je pense qu'on va aller dans le plus gros bâtiment, non? Il n'y a pas le plus gros bâtiment des bâtiments, là? Ok, une troisième chose à aller voir. On va faire ça. Allumé. Oula, je le sens mal. Pourquoi j'ai fait ça? Prenez garde, car le danger peut venir de n'importe. D'accord. Il avait l'air effrayé. Bon, ça c'est fait. Il y a un monsieur là-bas. Oh là là, il y a un monsieur là-bas. Monsieur. Enfin, monsieur l'androïde. Oh, il a l'air tout cassé, lui. Ça fait des années, il est là. Il est complètement gelé. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Ok. Lui, c'est comme les PNJ dans les jeux vidéo, il dit tout le temps la même chose. Ah, on a une carte, là, lourd. Vas-y, 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 vas-y. Ah, merde, c'est avec ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau? C'est le plan du parc, donc on devrait trouver... Genre, par exemple, il y a des gros bâtiments. Nous, on est là. Si on continue, tac. On va tomber sur le château, là-bas, en haut à gauche. Là. Hop, on sort. On va là, on va là. On continue, on continue. On monte, il y a le gros château là-haut. À côté du grand 8. Sinon, il y a quoi d'autre? Ouais, voilà, je pense qu'on va aller au gros château au niveau du grand 8 là-bas. Ça va être sympa. Attends, là c'est ouvert, il y a rien là? Ah non, je peux pas y aller? Ah. Flûte! Flûte alors, bon. Gros stade de mort, j'ai l'impression. Ok. Il y a un monsieur, enfin, ok, un squelette dans une cage. L'ambiance pirate, quoi, hein, l'ambiance pirate est présente. On n'a rien d'autre à faire à gauche là, cette espèce de gros bâtiment. Très bien, merci de m'avoir répondu pendant que je posais la question. Et ça, ça a l'air pas mal en vrai, hein. Ça, ça a l'air pas mal. L'intérieur a l'air sûr. Je vais continuer pour essayer de trouver mieux, sinon je garde ça en tête, hein. Je garde ça en tête si jamais. Alors là, hein, c'est pas dans un manège à bois là qu'on va faire quelque chose. Entrer dans le magasin abandonné. Ah d'accord, donc tu me forces à faire les choses quoi. Très bien, genre je peux pas me balader tout ça pour trouver les choses. Ah mais il manquait quelque chose. Regarde, c'est la troisième, je suis sûr qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Il y a quelque chose d'autre à faire, j'aimerais bien trouver tout ce qu'il y a à faire moi. Écoute. Ellipse temporelle jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'il y a d'autre à faire. Bon, écoutez les gars, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, donc on va rentrer. Allez. On verra. Je vais le faire. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Ok. Bon bah écoutez, on va faire ça. Donc ça, on l'a entendu parler. Hein. L'USS Iowa disparu, le navire américain a été vu pour la dernière fois dans l'océan Arctique. Ça, on l'avait vu. Hein. Mais alors, ça parle beaucoup de ça, je trouve. Le sous-marin de classe destroyer disparu dans les eaux de l'Arctique. Une enquête était en cours, mais la présidente Warren n'a pas caché qu'elle subvenait une manœuvre des Russes. Donc c'est toujours la guerre entre les Russes et les Américains.
et un groupe d'androïdes nominés pour une récompense. Ah ouais, à ce point-là, quoi. Ok, très bien. Bon, bah, bienvenue dans notre belle demeure. Il m'a fait peur, lui, ce bâtard. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Déjà, je vois RA9. Oh, je vois encore RA9. Regarde, vous le voyez? Vous le voyez, le RA9? Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Attends. Voilà. Mais tu vois pas le RA9? Peut-être qu'elle s'en fout. Bah attends, je vais aller apporter ça quelque part là. Alice? Ok. Parlez à Alice, regardez dans le sac de Luther. D'abord, je vais voir ce qu'il y a là-bas parce qu'il y avait des choses. Le RA9, tout ça, ça, là. Ok, donc ça, c'était l'affiche du parc, j'ai l'impression. RA9 partout. Voilà, je savais. Là, on a débloqué quelque chose. On a débloqué une action souvent bénéfique. On a rien d'autre ici? Très bien, là on va pouvoir parler à Alice dans le plus grand des calmes, maintenant que je suis serein d'avoir débloqué quelque chose. Y a rien d'autre à faire? Si, y a pas mal de choses à faire. Ici, donc ça c'est le livre. Ah, y a un trou par contre, hein, les gars, faites attention. D'abord on va parler à Alice avant de fouiller le sac. Qu'on sera comme eux un jour. Alors, optimiste, réaliste, sincère, optimiste. Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez, viens te coucher. Ok. Bordez Alice, regardez dans le sac de Luther. On va faire tout ce qui concerne Alice avant de regarder dans le sac. Rassurer, consoler, embrasser demain. On va la rassurer. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Princesse Licorne Chevalier. Bah, c'est une petite fille, hein. Ça aime bien les princesses. Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille qui... Malheureuse, peur, seule. Peur, elle avait peur. Qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... Mais impossible, ombre différente. Non, ombre, c'était pas impossible, mais... Ouais, ombre. L'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Malheureuse, obéissante, perdue. Le robot? Le robot était obéissant. Qui était programmé pour obéir aux ordres. Mais qui, pour une fois, pensait qu'elle devait désobéir. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Vie meilleure, ombre, vivre en paix. Vie meilleure, vie meilleure. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Courageuses ensemble, libres. Courageuses. Mais elles étaient si courageuses qu'elles les bravèrent tous. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent...
Géant, gardien, robot. Géant. Un gentil géant. Qui promit de les protéger. Elle finit comment, l'histoire ? Réaliste, morale, fin heureuse. On va faire une fin heureuse pour pas qu'elle ait trop peur, même si je suis pas sûr que ça soit ça. Elles finirent par atteindre l'endroit de leurs rêves et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther ? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Ok. Pardon, excusez-moi pour ma voix, je suis un peu malade. Du coup, regardez dans le sac, parler à Luther. Déjà, on va regarder dans son sac avant de lui parler. Je sais pas pourquoi on doit regarder, mais on va voir. Examiner l'arme, partir. Alors elle a fait des trucs comme ça alors qu'il est juste à côté quoi. Et là on va lui parler. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Alors RA9, neige, plan, passé de Luther. Ah moi j'ai pas... Ouais, RA9. Tu as déjà entendu parler de RA9 ? C'est le premier d'entre nous à s'être réveillé. Un jour, il émergera pour guider notre peuple et nous libérer. Doute sur RA9. On va continuer, moi j'ai envie de savoir. Je vais peut-être un petit peu insister, mais j'espère que ça va pas trop le brusquer. Et si RA9 ne venait jamais ? Si c'était seulement une histoire qu'on se raconte pour se donner du courage. RA9 existe. Je crois en lui. Il est parmi nous, je le sais. Quand le moment viendra, nous le verrons tous. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice ? Oui, quoi, non. De différent ? Non. Enfin, quoi, je veux dire quoi ? Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh putain, c'est la merde! Protéger Alice ou... Prendre l'arme. Non. Luther, il prendra l'arme. Je vais protéger Alice, moi. Voilà. Interroger, repousser. On va les interroger. Peut-être qu'ils sont pas méchants. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquille! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillons ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Je suis pas tellement sûr de ce qui vient de se passer là. Je t'avoue que moi je fais confiance en personne. Avec Kara, je fais confiance à personne. Même aux androïdes.
Bon bah écoute, on est obligé d'y aller, on va y aller hein. Et vous laissez vos affaires, tout ça Ouah, c'est chaud quand même. Bon après, ils ont pas l'air méchants, mais on sait jamais hein. On sait jamais, il nous est arrivé trop de conneries. Bienvenue. Réactiver le manège. Bah écoute, on va réactiver le manège hein. La petite fille peut monter. Installer Alice sur le manège. On n'a rien d'autre à faire. Ok, aidez Alice. Je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Ok, l'île aux pirates. Premier sourire. On a découvert pas mal de choses. Hein. Le groupe a profité d'un moment de calme. Ouais, je pense que si on les avait repoussés, ça aurait été compliqué. Bon, bah, comme quoi, les androïdes, bah, ils sont pas méchants, contrairement à ce que pense l'opinion publique. Les androïdes sont juste là pour aider les humains, mais malheureusement, peu d'humains l'ont compris et ça part complètement en cacahuète. On va continuer en espérant que la prochaine mission soit pas trop longue pour pas faire un épisode d'une heure. Let's go. Très bien, re-bienvenue avec Connor, notre RK-800 et détective préféré. On va aller parler à Hank. Avec Hank, ça va mieux depuis quelques temps, là on est plutôt cool entre nous. On a résolvé quelques affaires, je lui ai sauvé la vie. Donc normalement ça devrait aller, mais il a toujours une petite rancœur envers les androïdes. Je l'ai vu. Je venais souvent ici. Avant. Alors, question personnelle, arrêtez de boire avant rentrer. Avant. Avant quoi? Vous avez dit, je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant rien. On le sait en plus, on le sait. Questions personnelles. On va tenter les questions personnelles pour en savoir plus, mais j'ai peur que ça le gave. Mais on va tenter quand même. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? Photo suicide. Oula! Ouais, on va parler de la photo. J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien.
Bah RA9, hein, le lien c'est totalement RA9. Je vais faire ça. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Rationnel, déviant, ironique, insensible. Rationnel. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain. Tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Insensible, agressif, sur la défensive, neutre. Neutre! On est des machines, on est neutre. Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? Perturbé, insensible. On reste insensible! Évidemment que ça ne m'a rien fait, lieutenant. Je suis une machine. Les machines n'ont pas d'émotion. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Oui, non, pas vivant, logique. Logique, on reste logique, j'ai un peu peur là! Vous ne devriez pas faire ça, lieutenant. Me détruire à ce stade porterait un coup dur à l'enquête. Et aurait des conséquences néfastes sur votre situation personnelle. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Défié, colère de Hank, ironique, rien. Rien. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Ok. Hank a laissé Connor tranquille. Ouh, ça aurait pu se finir de manière différente. Photo vue dans la roulette russe. Ok. D'accord. Bon, on l'a complété qu'à 52% parce qu'en même temps, il fallait faire des choix. Très bien. Bon, je sais pas trop comment le prendre et en même temps, c'est compliqué de rester avec Hank parce que comme il est tout le temps sur la défensive et tout le temps complètement arraché parce qu'il lui est arrivé quand il était jeune avec son fils, et bah c'est compliqué de le raisonner et en plus, j'ai l'impression que c'est à cause d'un androïde. Donc, ça va être dur de bosser avec lui, mais je pense qu'on va y arriver. Et autre chose, moi je pense que Connor c'est RA9. Je sais pas pourquoi, j'ai ce petit truc, genre c'est le seul qui est pas au courant de ce qui est RA9 et tout ça, alors que tout le monde le sait. Donc je pense que c'est lui, et quand il en prendra conscience, il va se réveiller et il va libérer les androïdes. C'est une hypothèse pour la fin, gardez-la pour vous, si vous pensez à autre chose, dites-le moi dans les commentaires. De toute façon on va arrêter là, parce que j'ai peur que si on parte sur une nouvelle mission, ça soit trop long, donc je préfère arrêter là, faire un petit épisode, et le prochain un petit peu plus long, on verra. Bref, si vous avez kiffé celui-là, dites-le moi dans les commentaires, vous savez quoi faire. Je vous dis au prochain épisode, prenez soin de vous, ciao les gars.